Salut les amis, c'est Tom Phoenix et bienvenue dans ce 16e épisode du Let's Play à Watersnake Valley. Et quoi de mieux pour démarrer un épisode qu'un petit on-ride? Et oui, il fallait bien le faire ce on-ride du Tropical Splash puisque je ne l'avais pas tourné la semaine dernière. Donc voilà, maintenant c'est fait. Alors, je vais tout d'abord vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en off. J'ai refait le layout de Lost Temple parce que j'étais pas satisfait. Là, maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Alors bon, en termes de spec, on n'est toujours pas au mieux.
Mais bon, déjà dans les forces G, on est déjà beaucoup plus dans des créneaux réalistes, hein, puisqu'on a un maximum de 3,66 G en force verticale, alors qu'on était à plus de 7 G avant. Et puis, j'ai changé un petit peu le layout de manière à avoir cette zone qui sera un aqueduc. Voilà. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer tout de suite la thématisation. On est parti sur un gros accéléré. Mais genre, très gros accéléré, il n'y en aura peut-être qu'un seul dans cet épisode, mais ce sera pour la thématisation, pour transformer ce coaster en une attraction beaucoup plus immersive. Donc on perd pas de temps et on est parti pour l'accéléré.
Eh bien, nous voilà après ce gros accéléré qui change un peu d'habitude, hein, parce que là, vous en avez eu un seul. Et oui, je suis dans la végétation. J'ai passé la barrière. J'ai le droit, pas d'où je suis le directeur, pour vous donner ce petit plan sur la nouvelle attraction, à savoir Lost Temple. Et on va prendre un peu de hauteur et je vais vous montrer un petit peu l'ampleur de l'attraction. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, Lost Temple. Donc, comme je vous disais en début d'épisode, j'ai refait complètement le layout. Mais là, dans l'accéléré, vous avez pu voir la thématisation. Et on part sur la thématisation d'un temple égyptien. Je sais, ça colle pas vraiment avec la zone tropicale, mais quand j'ai cherché un petit peu les décors et que je suis tombé sur les statues égyptiennes, j'ai dit « Ah, bah tiens, allez, temple égyptien, ça marche bien !» Alors, on va prendre un petit peu la file d'attente. Donc déjà, on passe sous une magnifique arche avec deux grandes statues. Autant dire que l'entrée est plutôt impressionnante. Ah, il y a quelques pierres, il y a quelques petites collisions avec des pierres, on va modifier ça. Alors, si on part sur la droite, on a les fast pass, et bien sûr, si on va tout droit, on a un joli parc à bœufs. Ah, j'ai pas mis beaucoup de décorations, un petit peu hein, quand même, histoire d'être dans l'ambiance. On sent qu'on est parti en Égypte là. On a des statues, on a des hiéroglyphes, des bas-reliefs. Et on est éclairé à la flamme, donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Et donc, le fastpass arrive ici. Alors oui, je suis désolé, madame, vous êtes un peu pris dans les murs. J'ai pas pu faire autrement. Ensuite, on monte. On a une bonne interaction de la file d'attente hein, avec l'attraction, puisque bah, on passe au-dessus de cette dernière. Et on arrive... tout gentiment dans la salle d'embarquement, le temple en question, et on peut voir que c'est assez grandiose. On a pas mal de statues, pareil, des colonnes, pas mal de belles choses. J'ai fait la petite guérite pour les opérateurs. Bon, toujours simple, hein. Un deuxième bloc au cas où, un bloc de secours, bloc électrique, first aid, défibrillateur, bon rien de... Un petit écran pour les caméras de surveillance, un jour peut-être. rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Et donc ici, on a... Tiens, d'ailleurs je vois que le portail est ouvert. On a la zone de... de transfert vers le backstage où on peut mettre un à deux bateaux en maintenance. Donc oui, j'ai fait assez simple. Par contre, je vois que j'ai fait une petite erreur. Oh, quoique ça fonctionne, puisqu'il y a de quoi ramener les visiteurs à pied. Alors maintenant, on va faire un petit peu le parcours. Alors, donc on sort de la station et on tourne tout de suite. Voilà, on peut voir qu'on passe dans des ruines et on monte. Bon, le layout, vous l'aviez déjà plus ou moins vu, mais voilà, là, vous le voyez en situation complète. Et vous pouvez voir que j'ai refait tous les supports. Alors, je me suis pas compliqué la vie, hein. J'ai fait des énormes piliers égyptiens avec des accroches au niveau des rails. Le gros changement que je vous avais présenté tout à l'heure, c'est le fait d'avoir l'aqueduc. Donc on a déjà une zone où on plonge dans l'eau en mi-parcours. Ensuite, on plonge sous les statues, dans le tunnel. Tunnel enfumé, beaucoup de vapeur, beaucoup de machines à fumer. On ressort, on monte sur les ruines là pour ensuite plonger dans ce petit tunnel. Alors c'est pas vraiment un tunnel hein,
C'est ce qui va faire raccord avec, avec la future zone, avec la future attraction. Et enfin, on remonte et on tombe dans le bassin avec une photo au moment du splash. D'ailleurs, il faut que je fasse le point photo à la sortie. Il va y avoir des arbres qui vont sauter et puis je vais compléter ici avec le point photo. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Non, c'est pas tout, je vais vous laisser sur l'on-ride. Donc ça vous fait 2 on-ride pour le prix d'un sur cet épisode. Mais avant ça, bien évidemment, si vous avez aimé, eh bien vous connaissez toujours l'histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où nous attaquerons une nouvelle attraction. Ciao !